Bonsoir à tous, nous sommes le 31 mars 2016, il est 18h passé, de oh, quelques petites secondes, et nous sommes en direct comme chaque jeudi soir pour Zéro à la Hebdo sur Zéro 1 TV, c'est le débrief de l'actualité de la semaine. Jérôme Colombin, bonsoir. Bonsoir François et bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. On va parler cette semaine de ta 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 ta, Microsoft. Et eh oui. Eh oui, grande conférence Build 2016, destinée aux développeurs en priorité, mais il y a plein d'annonces intéressantes. Éric Le Bourlou nous fait un point dans un instant. On va retrouver tout à l'heure le Zoom Actu de Delphine. On va parler d'un outil qui va peut-être détecter les personnes qu ont en, qui sont en phase de radicalisation, Jérôme. Donc ça, ça sera un petit peu plus sérieux que la bille de Microsoft. Mais malgré tout, c'est aussi ça, 01 Live Hebdo. Sujet d'actualité. Et puis, dans la partie labo, eh bien, vous le savez, hein, c'est la deuxième partie de 01 Live Hebdo. On vous fait découvrir les nouveaux produits qui arrivent au labo. Et aujourd'hui... Eh bien, c'est jour d'iPhone. Enfin, eh c'est oui. jour d'Apple d'ailleurs. C'est deux tambours, c'est sympa. C'est jour d'iPhone et d'iPad. Vous le savez, c'est la sortie officielle aujourd'hui 31 mars du nouvel iPhone SE et du nouvel iPad Pro. Alors 9, ça, c'est nouvel 7 iPhone pouces. et ça, c'est nouvel non, iPad. Tu trompé. Ah oui, c'est vrai. Fou, là. <laughs> bon, enfin voilà, on vous euh, montrera ces nouveaux produits qui sont arrivés aujourd'hui à la rédaction de 01net. Ouais. Que valent-ils Exactement. On verra ça. Eh bien écoutez, on y va. C'est parti. Bienvenue dans ce 01 Et je suis sûr que vous avez plein de questions concernant la build de Microsoft, concernant aussi le nouvel iPhone SE et le nouvel iPad. Dès maintenant, nous sommes en direct, vous le savez, donc vous pouvez interagir. Hashtag 01Live sur Twitter, hashtag 01Live, votre question, votre réaction, et on la lit en direct. Et on salue Léon qui vient de se connecter et qui nous dit qu'il ne rate jamais 01Live hebdo, c'est très bien. Bravo Léon. La question 01 net du jour, François la question 0Net du jour porte justement sur le nouvel iPhone, Jérôme. Étonnant. Et eh oui, c'est cet iPhone SE. Alors dites-nous, êtes-vous intéressé par le nouvel iPhone SE mmh, Qu'en pensez-vous Vous savez, chaque semaine, on vous pose une question d'actualité, vous répondez par oui ou par non, et puis on fait le point. Dans un instant, on regarde un petit peu la tendance. Voilà, c'est notre question 0Net orange, bien sûr. Allez, on enchaîne avec la grosse actu de cette semaine. C'est Microsoft qui a fait son show. Avec la build et Eric Le Bourlou a suivi ça pour nous en direct sur 01net.com. C'était long, hein, ça a duré deux heures. Hein, quand <laughs> même, hein. Salut Eric euh, Salut. Rédacteur <laughs> en chef donc de 01net.com. Deux heures donc, ah oui, oui un quand peu, même. un peu plus, je crois, oui un peu plus deux et Pourquoi heures pour même, ça veut ouais. dire build d'ailleurs Je me suis toujours posé la question. Pourquoi build, pour, pourquoi build Pourquoi build Parce qu'ils construisent des trucs. Oui. c'est une conférence voilà, développeur C'est voilà, des hein, voilà, développeurs. qui ouais. euh, construisent des avec les maçons, ça. Non non, ils fabriquent du code. Ils voilà, ils construisent. En fait, tu voilà. le savais, mais j'avais <laughs> voilà. envie qu'on le rappelle. Et, ouais. et euh, malgré tout, donc pas mal d'informations. Hein, ouais. Alors même il si ouais, a rien de quoi se rouler, il n'y a pas, y a pas quoi de non, quoi se rouler par terre. Non, il y a même. eu des builds un peu plus intéressantes ouais. que celle-ci, mais il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Euh, bon, alors c'est quand même le grand out de Microsoft. Mmh. C'est un peu leur conférence principale de l'année. Donc voilà, c'est un peu quand même. Ça, ça, donne, le ton, ça, moment, compte, ça hein. donne le ton. En ce moment même, il y a une, une deuxième keynote qui, qui, a, bon, qui a plus qui plus trait au cloud, au service B 2 B de Microsoft, mmh. qui sont aussi évidemment éminemment importants mmh. pour, euh, pour l'entreprise mais hier c'était en fait centré sur le personal computing sur l'informatique de monsieur tout le monde et on a appris pas mal de nouvelles choses à commencer d'abord par la première grande update de windows 10 hein, qui est sorti il y a un an euh, presque un an l'été dernier ce fera un an et donc pour le, le, le premier anniversaire de windows 10 microsoft sortira cet été une mise à jour importante, majeure de son OS. D'accord. Mmh. Voilà, donc euh, ils ont détaillé ce qu'il y avait dans cette mise à jour. Il euh, y a plusieurs choses nouvelles. À commencer par euh, une meilleure gestion euh, de l'écriture manuscrite. On sait que Microsoft, euh, c'est un, un dada pour Microsoft depuis euh, le début des années 2000. Ils tiennent à ça. Ils ont un, ils ont un, dans tous dans leurs produits, sur Facebook, sur Face, etc., ils ont inclus ce stylet et on peut écrire déjà avec. Et là, en fait, on va aller un peu plus loin avec cette update puisque on, tout, Microsoft va implémenter l'écriture manuscrite dans la plupart des applis natives de Windows et dans Office aussi. Donc on pourra utiliser directement euh, avec avec des fonctions intéressantes, bah le stylo dans Word, dans, pas mal, dans ça, PowerPoint, avec reconnaissance de caractère. avec reconnaissance de caractères, à condition d'écrire proprement. Voilà. En général. Oui. Voilà. Bon, ça marche plutôt pas mal. Les médecins, Après... médecins, s'abstenir. Hein. Oui, c'est vrai. L'ordonnance de Toubib, moi, elle passera vrai. pas. Hein. Non. Mais Ou alors, ça... tu auras un autre médoc oui. Mais à place. Mais en tout cas, ça marche plutôt. Ça marche quand même plutôt pas mal. Après, faut voir si ça a vraiment une utilité. Alors, d'après Microsoft. Tout le monde utilise des stylos en permanence. C'est vrai que nous, euh, on utilise de moins en moins, c'est vrai au quotidien. Bizarre, mais... mais je pense oui, que oui, oui, tu as tout vrai. à fait raison, Eric. C'est étonnant comme... Mais on le voit, Microsoft Apple mis sur le stylo oui, oui. Hein, avec l'iPad, etc. Même le nouvel iPad a installé. Un un hein. hein. euh, euh, et, et alors que... Paradoxalement, on se sert de moins en moins d'un stylo. Exactement. Est-ce que c'est pas une erreur, une énorme erreur, de se dire, bah tiens, allez réhabilitons ouais. le stylo avec un écran. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent voilà. un carnet. Bah. regarde, regarde. Oui, regarde là j'utilise un, un petit carnet, mais ouais. je, je note assez peu de choses effectivement quand même au, au, au fil de la journée. Euh, ça a quand même des, des, des utilités intéressantes pour, euh, bah, imaginons, des gens qui doivent bosser sur un projet, qui voilà, des étudiants. On peut imaginer pas mal de, pas mal de scénarios, mais c'est vrai. En tout cas. Que dans cette version de Windows, il y aura de nouveau, des, pas mal de nouveautés à ce sujet. Bon, voilà, ils ont aussi intégré une petite règle, hein, comme, sur, euh, comme chez Apple, pour euh, pouvoir euh, tracer des traits droits facilement. Mmh. Il y aura aussi un nouveau centre de contrôle pour toutes ces applications euh, qui bénéficient du stylet dans Windows. Donc voilà, ça c'est Windows Inc. et c'est une des nouvelles fonctions de Windows euh, Anniversaire euh, qui arrivera euh, donc cet été. Euh, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, Windows Hello ça faisait partie des choses que Microsoft a largement mis en avant mmh. pour Windows 10. Le système d'authentification. Exactement. Hein, pour déverrouiller ça, le poste de travail. ça vous permet en fait de vous authentifier de façon biométrique pour, euh, pour vous loguer à Windows. Euh, ça va aller un peu plus loin maintenant et c'est plutôt pas mal puisque via Edge, on pourra désormais se loguer sur des sites. Euh, web, n'importe lequel, hein, tous les sites, Facebook, Twitter, tout ce mm. que vous voulez, euh, grâce à euh, la biométrie. Donc vous avez ah, par à grâce vous... à Hello, grâce à Hello, ah, donc ah, vous n'avez ouais. plus besoin de taper le mot de passe. Vous plus besoin bien. de taper votre mot de passe, ce sera directement intégré à Windows. Donc vous ah, aurez mal, simplement qu'à regarder votre appareil ou alors à utiliser votre, votre capteur d'empreinte digitale pour vous loguer sur un site. Et ça, c'est plutôt c'est plutôt une jolie innovation, ouais. c'est plutôt intéressant. Ouais, encore faut-il avoir un PC compatible avec Hello et la reconnaissance faciale, c'est hein. pas parce que vous avez euh, une, une webcam sur votre tout PC tout que ça marche, hein. il faut mmh. deux capteurs enfin, bon, voilà, voilà. et on voit pas énormément de PC, PC non, avec cette techno On ah, PC de gamme ouais. voilà, et même, même la Surface euh, Pro euh, version française n'a pas Hello ce me semble-t-il. Vous l'avez si en version, euh, comment dire, ça marche avec ah, le, capteur le capteur et, et capteur, non avec le capteur d'empreintes. Il n'y a pas, a pas, voilà. a pas ouais, euh, ça, ouais. Mais c'est vrai que Microsoft, lui, dans ses machines intégrées, c'est pas oui. le cas de, de tous voilà, les fabricants euh... de PC, loin de là. Alors c'est bien sympa, mais... ouais, c'est vrai. Euh, et là... On... Autre nouveauté aussi dans cet dans cette update, ce sera Cortana qui va s'améliorer euh, assez largement, parce que déjà elle sera accessible depuis l'écran de verrouillage. Donc vous pourrez interagir avec Cortana depuis l'écran de verrouillage Windows et plus forcément quand vous êtes sur le bureau. Donc ça c'est une petite innovation euh, sympathique. Et vous pourrez aussi, en fait Cortana va être va devenir un petit peu plus intelligente puisqu'elle va devenir proactive. Alors proactive, ça veut mmh. dire quoi C'est un peu comme ce que propose Google Now depuis déjà quelques temps. C'est-à-dire que plutôt que d'aller toujours rechercher de l'information auprès de Cortana, Cortana va vous en apporter automatiquement en fonction de ce qu'elle sait de vous de vos habitudes etc etc donc voilà cortana se rapproche machine learning plus. Euh, exactement se rapproche euh, un ça peu ça de va un peu plus se rapprocher de google now dans la prochaine version alors euh, cette nouvelle version qui arrive en été y a, y a, ça va aussi toucher la Xbox qu'on rappelle que la, la, la Windows c'est euh, à la non, fois il est unifié. Il est hein, unifié une Windows 10 c'est à la fois présent sur les machines de voilà de, des, des smartphones, voilà, des, smartphones ouais. des pc et aussi la Xbox et la Xbox donc à partir de cet été pourra accueillir les nouvelles applications Windows, les applications universelles donc ça on l'attendait déjà, ça a pris un peu de retard ça y est donc la console Microsoft pourra avoir des vrais applis. Euh, qu'on pourra télécharger sur le même store que celui de Windows 10. Donc, il faudra faire quelques, pour les développeurs quelques petites modifications pour s'adapter au grand écran de la télé, mais on pourra par exemple demain avoir, euh, j'imagine, VLC par exemple très facilement Arriver sur, sur Xbox. Xbox. Oui, voilà, ce genre, ce, ce genre de ce genre de choses. Donc, ça va apporter quand même un souffle nouveau à qui est pour l'instant un peu à la peine face à la PS4. Mmh. Et Microsoft en a d'ailleurs profité pour faire un petit truc qui a beaucoup plu aux développeurs. Il a transformé en fait, euh, via une application qu'on peut télécharger sur Xbox, il permet de transformer sa Xbox en un kit de développement logiciel donc on peut directement en fait coder un programme l'envoyer sur sa xbox pour test avec n'importe quel xbox du commerce sachant qu'un kit de développement ah habituel ouais. ça coûte très cher et est là maintenant, les... Ça, les développeurs hein. voilà donc ça c'était un... aussi une annonce assez intéressante très bien alors ça c'est pour windows 10 oui il euh, y a eu d'autres oui alors il y, y a eu une annonce qui était assez il y, une... y a eu une annonce assez intéressante euh qui a beaucoup et qui a été largement applaudi euh, parmi les geeks qui étaient là, euh, c'est l'arrivée de, de, de quelques logiciels très connus dans un monde qui est pourtant très opposé à celui de Microsoft dans le monde Linux, c'est notamment l'arrivée de Bash. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bash, mais Bash, c'est l'interpréteur de commande Linux. Euh, c'est en fait, très connu parce que vous, vous c est, c est, François voilà. connaît très bien. Ce ah coup. oui, mmh. Linux, j'adore <laughs> Linux. C'était vraiment un grand présentateur. Si vous, avez déjà utilisé Linux, vous connaissez forcément les lignes de commande. C'est quelque chose qu'on utilise en permanence sous ouais. Linux. Et en fait, vous allez avoir le même interpréteur de ligne de commande qu'on a sous Linux, sous Windows. Alors ça, ça a été largement c'est une annonce très geek, mais euh, <laughs> tout le monde connaît Bash chez les, chez les développeurs. Et comme Microsoft veut faire de Windows ce qu'ils appellent la maison idéale pour tous les développeurs. Ils ont intégré Bash, qui intègre beaucoup de fonctions qu'on connaît sous Linux. Et ils ont aussi signé un partenariat avec Canonical. Canonical, c'est l'éditeur d'Ubuntu. Et Ubuntu sera disponible via Windows 10. Donc ça va concerner aussi les développeurs, mais c'est très intéressant. Voilà, là on voit le code qui est en train d'écrire en, en temps réel. Euh, euh, Florian Jacques Beaufreton, a... là il est en train de nous... Oui. <laughs> C'est exactement ça, Voilà, c'est pas très Il est, est en train d'attaquer le kernel hein, mais... de Next ah, Radio je TV. Je crois qu'il y a une erreur de syntaxe ouais, à la huitième ligne problème. Là, Florian, pas bon. fait attention. Ah, Florian, un peu déçu quand même. Je crois qu'il y a un espace en trop. C'est bien dommage. <laughs> ouais. Alors bon, ça c'est pour Windows. Alors ça c'est plutôt développeur, effectivement, mais c'est très intéressant et ça montre que, Win que Microsoft est en train de s'ouvrir à, mm. à l'open source à des mondes qui, pour qui avant étaient considérés comme ses ennemis euh, violents. Maintenant, voilà, on peut faire tourner des, des programmes destinés à Linux sous Windows. C'est assez intéressant. Euh... Beaucoup de choses ont été dites durant cette build qu'on ne va pas traiter ici parce que c'est très technique et ça concerne plus pour le coup les vraiment les développeurs. Euh, mais il y a aussi quelque chose qui a été annoncé par Satya Nadella hein, qui était un peu le maître de cérémonie, le patron de Microsoft de cette euh, keynote, qui est une nouvelle initiative un peu folle euh, mais qui est en train de prendre, de monter en puissance depuis le début d'année. Euh, c'est, euh, ce sont les agents logiciels. Alors, ah oui. ils, alors Microsoft appelle ça les bots. Bon, a, et je pense que c'est le terme qu'on va employer euh, ouais. très bientôt le robot, tout le monde. Hein. Les dire Windows Phone décolle beaucoup, d'ailleurs ils n'en ont absolument mmh. pas parlé du, durant cette conférence de presse, de ces conférences de développeurs, pardon. Et en revanche, ils estiment qu'il euh, y a un nouveau truc qui va se passer après les applications. On n'aura pas forcément plus besoin d'installer les applications. Il ne nous faudra plus qu'une application. Mmh. Et cette application, elle va nous permettre, et pour Microsoft c'est clair, c'est Cortana et Skype. Euh, bah, ces applications vont nous permettre de nous simplifier notre vie pour plein de choses. Oui, par euh, exemple, la... Commander à manger, commander des repas, Exactement. etc. C'est-à-dire que ouais, le ouais. scénario typique qu'on voit là, d'ailleurs, c'est euh, vous voulez par exemple réserver une chambre d'hôtel euh, euh, parce que vous partez euh, dans 10 jours aux États-Unis à New York. Euh, plutôt que d'ouvrir l'application en question pour réserver un hôtel, ouais. pour chercher un hôtel, etc., simplement vous allez dans Skype, vous dites euh, je voudrais un hôtel à New York pour telle date, et là vous allez avoir un bot, comme un ami en fait, mm. et un ami. Euh, voilà un ami virtuel qui va vous répondre et qui va vous, et qui va vous dire Ah oui ok, bah moi j'ai des places dans mon hôtel, qu'est-ce que vous préférez comme chambre Vous allez discuter en fait avec un robot. Et, euh, en langage naturel. En langage naturel, mm -hmm. il comprend très bien tout ce que vous lui dites. Vous pouvez même si vous le voulez améliorer hein, ce qu'il dit, si, vous, si jamais euh, le bot en question n'a pas été suffisamment bien programmé, on peut l'améliorer. Mm -hmm. D'accord. Et ensuite, bah, il va simplement vous booker votre chambre automatiquement sans, vous, sans que vous ayez à passer par une application ou faire quoi que ce, doigt, quoi que ce soit d'autre. Jérôme, te voilà rassuré, tu pourras commander des pizzas par bot. <laughs> Exactement, c'est le même principe. Dit... Pour, ils ont fait une démo aussi avec Domino's Pizza, vous commandez votre pizza. On, vous a, ils ont déjà évidemment vos, vos, vos oui. logins, vos, vos, votre carte bancaire, etc. Donc vous avez qu'à appuyer sur Entrée. Une fois que vous avez commandé votre pizza, on sait où vous êtes. Et voilà, il faut un avoir problème. une imprimante 3D, l'imprimer directement, elle sort chaude. Ce <laughs> la prochaine étape. Tout ah ouais, va bien. Mais euh, voilà. et ça, on sait que Facebook travaille vachement. Exactement, c'est ce que hein, j'allais dire. Faire des annonces. Et puis Microsoft, ils ont fait un démarrage un peu douloureux avec les bots, puisque oui, cette semaine fait. avec, le, Twitter, robot, avec hein. le robot. taille Avec le ils en ont parlé un petit peu effectivement ouais. durant la gonfle, Ils ont dit, vous voyez, c'est pas encore tout à fait au point. Euh, là, ouais, parce parce qu'on rappelle en deux mots, donc c'était un robot conversationnel, et en une journée, les gens en discutant avec ce robot, ont réussi à en faire un nazi sexiste. Il est tombé un peu sur les trolls du site vous vous connaissez ce site mais ouais. il est tombé un petit peu sur tous les trolls de la planète sur ouais. qui, qui, qui traîne sur twitter et et comme et du machine learning voilà, euh, il, et bien il ça, a été très très mal éduqué voilà, voilà. Mal Là, ce éduqué. seront des bots qui voilà qui seront moins intelligents le ils auront leur fonction vous aurez le bot Domino's pizza vous aurez le bot Westin, euh, le bot ce que vous voulez Tout, tous les développeurs mmh. sont appelés par microsoft à créer ces fameux bots et ensuite et eh ben voilà ils seront, ils auront moins de on va dire moins de chances de délirer comme la, a pu faire taille cette semaine ouais. et comme le dit caribou sur twitter toute cette histoire ça me botte Hein Très bon jeu de mots. Et bien, Superbe, magnifique, euh, franchement. Oui. Voilà. François aurait pu la faire. <laughs> c'est Caribou qui l'a fait. bravo. <laughs> Eric, un mot quand même sur Windows Phone et Windows 10 et les smartphones. Ouais. Il n'y a pas eu un mot concernant non, euh, la, un la, mot. la stratégie à venir non. Euh, concernant les smartphones non, chez Non, à part que voilà, ce qu'on a pu voir, c'est des démos qui étaient sous Windows Phone certes, mais aussi beaucoup sur iPhone et aussi beaucoup sur Android. Hein. Ce n'était pas forcément des démos uniquement sur, sur Windows Phone, loin de là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça c'est clair que voilà, ce que dit Microsoft, c'est que cette année, le mmh. téléphone, pas, le mobile, ce n'est pas leur priorité et qu'on verra plus tard. En gros, voilà, on voilà. met la pédale douce là-dessus. Hein. Ils n'ont pas grand-chose à, à vendre. Hein. Enfin, ils ont plutôt de quoi faire low profile en ce mmh. moment. Exactement, c'est vrai. Mais que... ils ont tellement de belles choses par ailleurs, donc on leur pardonne. Oui, mais bon, pas être sur le mobile, c'est quand, ouais, quand même un hein. peu embêtant. Ah, oui, mais bon. ouais. Merci, donc, Eric. Ils sont sur les autres plateformes. Voilà. Merci Mérite beaucoup, Eric rédacteur en chef donc de 0Net.com euh, pour cette build. Donc. On revient dans un instant, Jérôme Oui, juste avant, un petit coup d'œil sur la question Zeronet net Orange du jour. Êtes-vous intéressé par le nouvel iPhone SE dont on va parler euh, tout à l'heure On vous l'a dit Eh bien, pas vraiment. Première hein. tendance euh, <laughs> La première ouais. tendance n'est pas très en faveur du nouveau smartphone. Non, à 63%, non. oui, 37% seulement. Voilà, bah, ça s'explique. Hein, on aura le temps, on aura l'occasion d'en reparler. Ça Exactement, puisque dans quelques minutes, fait. on va vous montrer ces nouveaux produits, à la, à la fois l'iPhone SE, mais aussi l'iPad Pro qui est ici euh, sur cette table. Merci encore Eric. Tout de suite, on retrouve Delphine Sabatier. Delphine Sabatier, la directrice de la rédaction de 01 netcom qui nous a rejoint comme chaque jeudi. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Comment allez-vous Très bien. Bon. Très bien, on a, voilà, on a nos petits jouets, là, tout va oui. bien. Comme tous les jours. On attend soir. le déballage voilà, avec impatience. Ça va déballer. En attendant ce déballage, on va aborder un sujet un peu plus lourd, Delphine, et on va parler d'un phénomène bah, qui fait euh, l'actualité en ce moment, on en parle souvent, c'est oui. la, la radicalisation islamiste via Internet et via les réseaux sociaux. Et vous avez déniché un logiciel qui permettrait, paraît-il, de détecter... Très tôt, les signes de radicalisation d'un internaute. De quoi s'agit-il Oui, ça s'appelle détection. C'est plus qu'un logiciel, je dirais, c'est une solution. Alors, oui. j'ai entreaperçu une ébauche. Euh, c'était au salon de la cybercriminalité, c'était en janvier. Ah, oui. Et j'ai couru après les fondateurs. Ils sont deux. Ce sont deux anciens officiers euh, du renseignement, donc mmh. ils sont à l'aise avec euh, l'expertise de, de, de données, ils savent de quoi ils parlent et ils ont développé ce concept qui permet de faire la détection très en amont. On est vraiment euh, sur la détection de profils qui sont en voie. De radicalisation. Donc, ils sont des profils à risque de main. Alors, ils ont présenté pour la première fois leur concept. Ce n'était pas au forum, c'était lors d'un hackathon à l'école 42, qui était organisé par la préfecture de police et, euh, et la mairie de Paris. Ils sont sortis avec une mention spéciale du jury. Donc, pour l'instant, ils en sont là. Alors ça, commence, ça, ça marche comment leur solution en fait Alors pour l'instant ça ne marche pas. Ah. C'est vraiment en phase d'expérimentation. C'est pour ça que je n'ai pas pu la tester pour vérifier comment, euh, ben, ça, et, voilà, comment ça fonctionnait vraiment. En revanche, ce qui est intéressant c'est vraiment la démarche, la méthode qu'ils emploient. On se pose la question comment on identifie aujourd'hui sur Internet un profil en voie de radicalisation C'est quoi les signes Eh bien ils vont reconstituer l'environnement social de l'internaute. Ils vont regarder les gens qu'ils fréquentent, euh, les lieux physique mais aussi virtuel, sur quel lieu on se rend sur le web, les documents qu'on partage, les sujets qu'on adresse, en fait tous nos thèmes de prédilection et puis nos, nos habitudes, c'est-à-dire à quel rythme on fréquente ces lieux, ces personnes. Euh, la temporalité est très importante parce que ça va permettre aussi de détecter à quel moment il y a une rupture. Et ça c'est vraiment euh, ce qu'explique ce, ce, cet officier du renseignement, c'est au moment de la rupture qu'on s'interroge, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fréquente de moins en moins cette personne, mmh. euh, pourquoi je vais adresser de plus en plus ce type de sujet. Ça, c'est un marqueur euh, important. Il y a aussi, euh, avec cette solution, la possibilité de voir à combien de rebonds je suis d'une personne qui est aussi en voie de radicalisation. Mmh. Euh, mais tout cela est quand même euh, très intrusif finalement parce qu'on surveille de très près les, les, les internautes. Euh, où se situe la limite avec... Oui, euh... je vais poser cette question. Je dis mais euh, ok, d'accord, mais notre vie privée. Moi, j'ai quand même oui. envie d'être au courant. Euh, si quelqu'un observe mon comportement et si on sonne l'alerte, ses détections sonnent l'alerte. Alors, euh, lui, il balaye ça un peu d'un revers de main pour l'instant, puisque sa solution n'est pas encore en place. Donc, il dit Moi, au moment où je la vendrai, mmh. euh, ce sera le client, et en fonction de l'usage qu'il en fera, qui sera chargé de faire les déclarations à la CNIL. Il fait aussi remarquer, et ça, il a raison, qu'il ne s'appuie que sur des données. Public. Hum. On n'est pas là dans euh, le renseignement réactif où on va hum, enquêter hum. sur une personne. Hein. On est dans l'analyse de ce qui se passe sur les réseaux. Oui, C'est presque de la big data finalement. C'est exactement hum. ça. Il est dans l'analyse de la métadonnée. Hum. Il utilise pour ça tout un tas de logiciels et au cœur de tout ça, il y a lui, son analyse, enfin eux deux, euh, leur analyse humaine de tous ces renseignements. Delphine, cette solution ne sert qu'à détecter les personnes en voie de radicalisation ou ça peut aller plus loin Alors, ça aussi c'est intéressant, c'est que ça peut intéresser euh, des compagnies d'assurance. Typiquement, qui veulent mener des enquêtes sur leur, les entreprises, qui peuvent être des clients potentiels. Quels sont les risques sur cette entreprise Ça peut aussi servir à la lutte contre la contrefaçon de médicaments. J'ai appris à cette occasion que la contrefaçon de médicaments avait un lien avec les opérations de djihadistes. Ne me demandez pas ah bon pourquoi, c'est top secret. Ah oui. Secret défense, je n'ai pas pu en savoir plus. Euh, voilà, ça peut servir à tout un tas de, de choses puisqu'on est dans le prédictif, on est dans la prévention de risque. On peut aussi imaginer que ça serve à détecter des crises dans le monde, on va détecter des zones à risque, là où encore il y a d'un seul coup il y a une rupture euh, de la population à un certain moment. Très bien, à suivre de près. Bon, et puis euh, je rassure donc tout le monde, je vais poser la question, est-ce que si j'ai des mauvaises fréquentations, ça veut dire que je suis une mauvaise personne mmh, Ça ne question. suffit pas. Il faut aussi fréquenter des lieux. Malfamé et te tenir des propos euh, Voilà un peu Inappropriés, inappropriés. Ouais. Et dans ce cas là ça commence à sonner l'alerte Ça dit je me dis que ça peut arriver très vite hein. Quand oui, on est jeune sûr. on peut à eh un bien moment non. de creux ouais, tout à fait. Avoir à la fois ouais. des Surtout mauvaises fréquentations De euh, personnes, voilà. de lieux et puis dire un peu des on bêtises Et bien maintenant il y aura Détection qui sonnera cette alerte Merci beaucoup Delphine Merci Delphine pour cette innovation euh, bah voilà Delphine Sabatier directrice de rédaction donc Pour ce Zoom Actu Jérôme 18h23 Ils sont là et on en parle tout de suite. Delphine les regarde attentivement. Il va falloir faire attention <laughs> non, parce qu'elle. Elle serait capable de les piquer subrepticement comme ça. Non, n'est pas comme ça. Voilà, tout de ça, suite, l'iPhone SE et l'iPad Pro. On vous fait découvrir ces nouveaux appareils qui viennent d'arriver ici. Hashtag 01 Live, si vous voulez euh, nous poser vos questions concernant ces nouveaux produits à Apple. Vous avez ici donc le nouvel iPhone Ce, Il est tout rose, il est beau. Et oui, parce que ça c'est la nouveauté. Et voilà. Euh, non, ça, une nouvelle couleur. Et le puis l'iPad Pro aussi euh, qui est ici. Euh, voilà, ça vient d'arriver. on va vous, Alors ce n'est pas un test pas complet, hein, bien évidemment. Hein. C'est simplement voilà, une première prise en main. Euh, on voulait vous les montrer, bien sûr, parce qu'on sait que vous adorez ça. Hashtag en Live, si vous voulez réagir. Et Pierre Fontaine nous a rejoint Salut Pierre. Bonsoir. Et Toujours ces super t-shirts à Pierre. Ça fait... on, peut, on peut tout dire. Hein. Mais alors là, Space ah, Invaders, suis... j'adore. Je suis carré sur les t-shirts. <laughs> C'est vrai. Grandiose. Euh, alors, oh, Pierre est en train de les tester, oui. ces nouveaux produits. Tout à Apple. Fait. Qu'on vient de recevoir la rédaction de 0.1Net, donc encore une fois, on n'a pas toutes les données définitives, etc. Mais peut-être qu'on peut brièvement rappeler ce qui est nouveau dans ces, euh, sur ces deux produits, et d'abord sur l'iPhone, le petit iPhone. Alors, l'iPhone, pour schématiser, schématiser. Euh, effectivement, quand on le regarde à l'extérieur, à part la, la couleur, on se dit que rien n'a changé depuis le 5S, mais en fait, tout a changé à l'intérieur. En fait, c'est un croisement entre le 5S pour l'apparence extérieure et le 6S pour la configuration intérieure. Donc, ce qui est nouveau, ouais, c'est un 6s dans un 5s. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, ce qui est nouveau, euh, si on commence, alors il y a les capteurs, le capteur photo, le Touch ID. Alors le Touch ID, pas de chance, c'est toujours la première génération, donc celle qui est un petit peu plus lente. Celle de l'iPhone 5s. Celle de l'iPhone 5s, mm -hmm. tout à fait. Donc, qui est toujours un peu un peu plus lente, mais on a un capteur 12 mégapixels qui est capable, grâce à la puce euh, A9 qui est à l'intérieur, de filmer en 4K quand même. Ouais, donc, c'est cool, un, un, un beau progrès. Alors, on vous dira une fois qu'on aura fait tous nos tests si la qualité de la, 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 la photo et de la vidéo est au top. A priori, mmh. c'est l'exact équivalent du 616, donc on trouvera les mêmes travers avec des aplats de couleurs un mmh. petit peu. Euh, enfin, que je trouve qu'ils lisent un petit peu trop les textures. Donc, ils n'ont pas euh, amélioré. Non, euh, non, non, voilà, c'est. Le, leur, leur but du jeu c'est pas de faire un, oui. un entrée de gamme qui soit meilleur que le haut de gamme pour l'instant oui, parce, que, parce que, qu'effectivement on se retrouve dans une situation où on a quand même un entrée de gamme qui est meilleur que le milieu de gamme euh, c'est bien à, compliqué à, para... <laughs> sauf sauf ouais, sauf, ouais. À, sauf à, à, mais à quand considérer la taille de gamme, gamme, gamme c'est quoi c'est l'iPhone 6 c'est l'iPhone 6 oui. qui est donc maintenant milieu de gamme et mmh. qui est moins puissant oui, tout à fait. Que, le, oui. que le que le, que le, le SE qui est celui du dessous mais alors pourquoi mais pourquoi mais enfin mais qu'est-ce que tu m'as fait Parce que, parce que parce que Apple a pensé un peu sur le long terme, il s'est dit en fin d'année, en septembre, ah. on va sortir le 7, et si on se retrouve avec un téléphone d'entrée de, de gamme tout neuf qui est complètement obsolète, notre, notre gamme, elle ne se tiendra plus. Mm -hmm. Alors ouais. que quand euh, en septembre l'iPhone 7 ou quelque chose de son nom arrivera, on aura un iPhone 6S. Qui, sera est, qui est, est l'équivalent voilà. qui sera un milieu, milieu de gamme qui va glisser en milieu de gamme qui va chasser l'iPhone 6 qui sera l'équivalent euh, en termes de puissance du SE avec un écran évidemment plus grand oui. euh, voilà et, et un set qui sera tout en haut voilà. très puissant voilà. et un 4 pouces qui malgré tout ne déméritera pas et donc avec, voilà, euh, voilà des, des, donc pour, pour, des donc pour, pour, pour continuer cet écran, donc cet écran 4 pouces euh, bah, rien ne change c'est un Retina 4 pouces et... c'est le même que l'iPhone 5s voilà ah, il, est, hein. il, est, il est plutôt confortable ouais. il n'y a pas de souci en revanche ce qui change effectivement c'est la puissance parce que on voit dans quasiment tous les tests qu'on a faits qu'il est euh, légèrement inférieur ou équivalent aux performances du 6S, donc au tout ouais. dernier nez des iPhones. Et alors quand on le compare au 5s ou même au 6, c'est une, 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 une branlée, pardon, mais c'est une branlée. <laughs> euh, L'analyse de Pierre. Pierre Fontaine. Voilà, non, mais Monsieur, par, par, par exemple, enfin, j'ai en, en tête par rapport au, au, au 5 S, la différence en termes de pourcentage de puissance euh, sur un, un bench euh, qui prend en compte surtout la partie graphique, c'est 470% plus puissant. Et oui. hmm. Donc, c'est une paire de taloches. Hein. Voilà, oui, ouais, il y en a voilà, un qui est sorti ça. en 2013, septembre 2013, il ouais. était très beau, etc. Et voilà. puis, hein, il y en a un qui a une puce mmh. qui, a été, qui est sorti euh, l'année dernière. Quoi. Donc, voilà. En revanche, ça serait intéressant de comparer l'appareil photo du 5S qui était excellent. C'est un très bon Il, faudra, appareil il, faudra, photo, il faudra effectivement Avec celui-ci, ce euh, qui est donc un 12 mégapixels, mais dont ah. on sait que euh, les résultats sont parfois assez aléatoires. Voilà. Et il y a un autre point aussi sur lequel on peut passer rapidement, même si pour l'instant on, on a un tout début des tests, parce que c'est des tests qui sont longs. Mm. Alors pas assez longs pour certains, euh, c'est l'autonomie. Ouais. Euh, on a une, un premier run d'autonomie qui, ouais, qui est même passé... sans donner de chiffres, on a voilà. une tendance... Qui, quoi. Voilà, ouais. qui, qui montre clairement, enfin, euh, dans sans donner de chiffres, euh, le SE euh, tient deux heures de plus que le 5S sur nos, nos tests les plus exigeants. Sachant que c'est un premier run, donc on va refaire une deuxième fois parce qu'il faut le temps que la, la, mmh. la batterie soit oui. chargée, déchargée, etc. Sur se, se rôde sens. un peu. Et généralement, euh, on gagne un petit peu en autonomie, euh, on ne perd jamais. Donc, ça veut dire qu'on aura au moins un gain par rapport au 5S de 2 mmh. de, de heures. Par rapport au 6, qui se débrouillait pas mal, on est à environ une heure de différence. Et on est à euh, un petit peu moins d'une demi-heure de moins par rapport au 6S en termes d'autonomie. Voilà. Donc, on a une autonomie qui, pour un iPhone, est plutôt bonne Et plutôt voilà. correcte d'accord voilà pour l'iPhone SE oui, bien on bien va bien en reparler la semaine prochaine parce que bien évidemment on vous prépare quelques petits tests à la fois version écrite avec pierre0net.com et sur 0net TV bien évidemment la version vidéo on dit un petit mot rapidement de, oui. euh, du nouvel iPad quand est même là. regardez le Hop. qui est donc l'iPad Pro euh, format Pro. <laughs> pour ceux qui auraient complètement suivi ça va être pratique ouais. 9,7 pouces oui alors moi je pense qu'il y a une vidéo à faire sur comment manipuler le, le clavier cover là, parce que euh, on devient fou assez vite hein. <laughs> il y a bien un coup à prendre. Oui tout à l'heure il y a il bien carnet à le mettre dans, ça la, met dans ça. la bonne position. Oui, voilà donc... Il faut, faut, il faut, là ça c'est un rabat qu'il faut mettre à l'intérieur. Oui, bien sûr, puisque le clavier est là. Voilà. Donc, voilà. Voilà le nouvel ah. iPad. Bon, il prend toujours les traces de doigts. Hein, ça ouais. regardez là c'est un carnage. Bah, Et pourtant j'ai pas mangé de Nutella avec. Hein, voilà. tranché les saucissons saucisson ah, oui. <laughs> Donc en fait c'est la coque d'un iPad R3. Et mais avec les perfs R2, R2, R2. Si on s'est arrêté au R2, ouais. ouais c'est en fait c'est l'exacte form factor d'un iPad R2, euh, même épaisseur, même design. Enfin, c'est du 9,7 pouces, euh, voilà. Sauf que on remarque effectivement les Smart connecteurs sur le côté. Les ouais, ouais. Smart Connectors. Et smart est là, smart euh, connecteur. voilà. Et complètement synchronisé avec François. Les haut-parleurs en haut et en bas. Alors, euh, tu sais quoi, on va recommencer. Ça, c'est Smart Connector qui permet de connecter un clavier et de l'alimenter. Voilà. Automatiquement. Donc, on a, on n'a pas besoin d'appairer en Bluetooth. On branche et le clavier est fonctionnel. Le clavier et sans virtuel. Ils ont d'autres accessoires hein, plus tard. Hein. Voilà. Oui, voilà. Il, il se prépare. On, on nous a glissé à l'oreille qui se préparait des choses grâce à ce Smart Connector. On vous glisse à l'oreille des trucs. Voilà. On nous a glissé à l'oreille, mais on n'en dira pas plus parce que pour l'instant, on n'en sait pas plus. Bon. Voilà. Donc la Smart Connector. Et puis, euh, tu le disais, Pierre. Euh, voilà. Deux fois deux haut-parleurs. Voilà, comme sur l'iPad Pro, ce qui permet. Alors, de on ne va pas parler de spatialiser le son, mais en tout cas diffuser le son différemment selon qu'on tient l'iPad en mode paysage ou en mode portrait. Mm. Et le son est vraiment bon. Et, et, il et le son devient stéréo. Et, et il, est, il est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Euh, on peut regarder des films avec et on, on voit qu'effectivement il y a différentes, euh, différentes voix, le, le, les, les voix un peu, enfin euh, la voix, le aigu en haut et la basse plutôt sur le bas, ce qui fait que c'est plus, plus audible. Voilà. Et puis le stylet. Le fameux, il est effectivement compatible avec le stylet désormais. Regardez enfin l'Apple Pencil, pardon. Pencil, voilà. voilà, qui est vendu toujours en option parce que c'est toujours euh, pour ceux qui voudraient euh, s'en servir pour prendre des notes ou pour dessiner. Euh, alors, j'avoue que moi, au quotidien, l'Apple Pencil ne me sert pas parce que je dessine très très mal. Ah, et... Oui, tu te et... grattais les oreilles la dernière fois, je t'ai vu avec. C'est bien pratique pour ça. Ah c'était ça. Ça fait oui. un peu cher le coton-tige, mais bon... C'est vrai. <laughs> oui mais Pierre Fontaine. Voilà, c'est Pierre vrai. Fontaine. quoi. Euh... Concept mmh. et, et, et puis effectivement, on retrouve euh, bah, les... Les, les nouveautés d'iOS 9, c'est-à-dire le mode euh, multitâche, fenêtrage latéral, etc., qui permettent de gagner un petit peu en productivité quand on veut s'en servir comme d'un, portable d'appoint à défaut d'être un véritable portable. Le clavier, on précise que pour l'instant il n'existe qu'en qwerty, QWERTY en voilà. et euh, pour l'instant c'est euh, quand on demande. Mais quand est-ce qu'il arrive en version euh, AZERTY On nous dit, euh, on, on vous préviendra quand ce sera fait. Donc a priori c'est n'est pas tout, pour ouais. tout de suite et, et c'est dommage. On a la même chose pour l'iPad Pro. Euh, voilà. Ouais. Ans, Mais alors, en sachant que euh, effectivement pour pour ceux qui euh, tapent sans regarder leur clavier à partir du moment où l'iPad est en langue française par exemple le clavier est automatiquement mappé le clavier physique est automatiquement mappé en azerty ce qui fait que si on ne regarde pas, si on s'y si retrouve. D'accord. Enfin bon, ce n'est pas l'idéal quand même. Surtout que non, alors c'est loin on est tout à fait d'accord. Ça coûte combien cette petite plaisanterie euh, il a, Alors celui-là, il a 120 je crois. Je crois, crois qu'il y a 10 euros de moins par sais, rapport à sais, celui je... de l'iPad Pro. Je, 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 je crois qu'il est, est un peu plus, plus petit, donc J'ai plus le prix en tête exact. Voilà, cet iPad Pro, bien sûr, vous le découvrirez. En termes d'autonomie termes d'autonomie, il court toujours. D'accord, donc, donc on verra euh, parce que ça c'est aussi une tendance qui était assez marquée ces dernières, pour ces dernières générations d'iPad. À chaque génération, l'autonomie baisse euh, sur les iPads. Est-ce oui. que ça continue là alors, ou pas enfin, L'autonomie baisse ça, parce qu'en fait, euh, alors chez nous il y a aussi le, le, le fait qu'on avait introduit de nouveaux tests plus musclé qui oui, faisait que là. Goût, oui. euh, mais effectivement, il y avait une tendance sur certains, certains tests à une légère baisse. Euh, on là, là, on va voir ouais. si ça a reparti à la hausse ou pas. Oui. Très bien, ben voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces deux nouveaux produits qui sont arrivés aujourd'hui. On en saura plus la semaine prochaine. Bien sûr, avec test complet. Merci Pierre. test. Avant de conclure, euh, la question 01Net Orange du jour, puisque est, on est carrément dans le sujet, êtes-vous tenté par ce nouvel iPhone SE Vous votez sur www.01nettv.com et pour l'instant, bah, vous votez plutôt non, hein, à 63%. Oui, seulement 37%. Cela dit, 37% pour un téléphone, c'est pas mal. Hein oui, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté waouh de super innovation, quoi. C'est ce que Pierre vient d'expliquer. Euh, ce oui. téléphone, il vient. Non, ce qui, ce qui est intéressant, c'est un... son prix. Je oui, pense. Voilà. Hein Certainement un bon on on n'a pas évoqué qualité, ça. Prix, mais mais c'est vrai pas... que pour 489 euros euh, et 399 dollars aux US, on a un smartphone quand même au top, simplement avec sa giga de RAM, mais malgré mais tout qui ouais, tient la route. C'est une, une bonne porte d'entrée oui. dans l'univers iOS, à la fois pour le prix et puis pour les performances qui sont derrière. D'accord. Si, si, on n'est pas habitué à des écrans plus grands, parce qu'effectivement mmh. euh, pour moi qui au quotidien utilise un 6s ou voir un 6s plus, quand je suis repassé dessus, ça m'a fait un petit en peu en bizarre, arrière. ne ouais. serait-ce que pour la, la saisie au clavier, parce qu'on mmh. se rend compte quand même que le clavier est plus tassé. Ouais, est vrai. Bon, une petite remarque, c'est Life, vous savez qui nous fait régulièrement des petits des petites caricatures, qui nous dit qu'il nous caricature justement avec le l'Apple Pencil. Il doit faire ça sur iPad Pro, donc. Et ah, c'est, ces euh, ouais, dessins sont plutôt sympas. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver euh, sur le Twitter de. de Net TV. question l'écran est il anti reflet sur l'iPad oui l'écran l'anti reflet a été amélioré il, y a, il y a un traitement ouais. Alors, mais a malgré a tout, apple donne à même... un, un ouais. moins à 25% d'amélioration euh, du, ouais. du reflet hum. mais, euh, mais c'est quand même assez, assez difficile ouais. à, pas à un mesurer c'est hein. voilà c'est une balle brillante, enfin le vitré ok très bien merci, merci beaucoup. beaucoup et ben, voilà Jérôme, on se retrouve jeudi prochain. Oui, merci à Florian Beaufreton, euh, Jérôme Giliberto, Pierre Romiret et Jean-David Duarte. Qui a Pierre Romiret, mais pourquoi tu l'appelles Pierre, il s'appelle Thomas euh, le Il s'appelle Thomas parce que je suis fou, parce que c'est presque la fin de la semaine et que je suis au bout du rouleau. Donc salut Thomas. <laughs> Et Jean-David, que j'allais oublier. Voilà, et merci à vous qui nous regardez tous les jeudis soirs. Le replay dans quelques minutes. Portez-vous bien. T'es sûr qu'il s'appelle Papier <laughs> Non, ça je peux te le confirmer. Portez-vous bien et on se retrouve demain sur ZéroNet TV. Salut à tous. Salut à tous.